auprès de nos comptes qu'il fait bon, c'est beau dire. Tous les rêves du monde viennent y faire leur nid. Tous les rêves du monde viennent y faire leur nid. Du 27 mai au 2 juillet, le conseil départemental organise les Insolivres. Dans le cadre de cette manifestation et de la fête de la musique, 6 conteurs de la médiathèque Georges Brassens proposaient une balade contée dans les espaces verts du quartier Valmedera. Malgré les fortes chaleurs, ce sont plus d'une quarantaine d'enfants du périscolaire qui est venu assister à cet événement culturel, associé pour l'occasion au conteur professionnel Stéphane Knubuller de la compagnie Colporteur de rêve. La poésie était au rendez-vous ce mercredi 21 juin après-midi. Itinérance dans l'espace pour un public attentif qui a pu écouter également des intermèdes musicaux de 3 jeunes musiciens du conservatoire accompagnés de Serge Pierson. Étape après étape, les enfants se sont enivrés de contes, mais aussi de poèmes de Robert Desnos. Avant-dernier lieu d'émerveillement sous le préau de l'école maternelle du Valmedera, puis fin de cette promenade dans ces mondes imaginaires dans l'auditorium du tram. Mais ils n'avaient pas d'enfants. C'était leur drame. Mais un jour, la reine a donné naissance à un fils. Une heure comptée, les deux pieds dans les rêves.